Bonjour, j'ai aimé ce livre. Thomas Hobbes, Léviathan. Il opte pour le pouvoir royal, donnant par ses écrits au souverain un fondement rigoureux au droit absolu, garant de la paix et de la prospérité des sujets. Il est exilé en France. Il explique qu'en vertu du pacte constitutif de la République, chacun est désormais l'auteur des démarches dont le souverain est l'acteur. Seul le présent existe. La raison n'est que le calcul des conséquences des dénominations générales. Les hommes sont égaux par nature. Crainte et liberté sont incompatibles. Le pouvoir civil revendique le droit de dire quelle est la loi. Le pouvoir ecclésiastique n'est que le pouvoir d'enseigner. La philosophie est la connaissance acquise par le raisonnement. Dans une république bien ordonnée, c'est la loi qui gouverne. Pas les hommes. Thomas Hobbes, Léviathan. Lisez-le. Merci.